Bienvenue pour ce tutoriel Fabricville. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un col châle. C'est un col arrondi qui se replie sur les épaules et tombe généralement assez bas. On le retrouve souvent sur les tuxedos et les peignoirs. Voilà les pièces du col châle. Le devant du vêtement, le dessous de col qui est ici sur la même pièce que le vêtement et qui formera une pince, la parementure devant avec le dessus de col et la parementure dos. Pour commencer, j'assemble les coutures d'épaule. Puis le milieu du col. Je vais piquer le dessous de col à l'encolure et en même temps piquer les pinces du devant. Je crante les marges de couture dans les arrondis. Je superpose les parementures endroit contre endroit et je pique la couture du milieu du col. J'épingle la parementure dos à la parementure devant et je pique. Puis je crante les angles et l'arrondi. J'assemble ensuite les bords d'épaule de la parementure. J'épingle la parementure au devant du vêtement endroit contre endroit. Et je pique les bords ensemble. Je crante avant de retourner et de presser. Puis je fixe le dessous de col à l'encolure. Et voilà pour notre col châle. Merci et à bientôt!